Bonjour les cinquièmes. Alors aujourd'hui, vous avez le temps de reprendre un exercice que je vous avais donné en début de semaine sur le vocabulaire du voyage. Alors on va parler du voyage parce que c'est tellement chouette de voyager, c'est tellement intéressant comme expérience que c'est un petit peu dommage si on a un seul mot pour en parler. Pour vous donner une autre image, imaginez que vous alliez, pardon, chez le médecin avec une douleur très particulière quelque part. Vous ne savez pas trop ce qui vous arrive, mais vous avez mal. Et puis vous dites au médecin, oh, voilà, j'ai mal. Et vous montrez votre ventre. Le médecin, il dit, oui, vous avez mal, d'accord, mais mal comment? Mal, quel genre de douleur vous avez? Une brûlure? Un gratouillement, ça vous chatouille ou ça vous gratouille comme on dit dans la pièce de théâtre qui s'appelle le Knock. Si vous dites j'ai un gratouillement dans la partie latérale gauche, ta, 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 là ça va être plus facile pour lui de savoir ce qu'il doit faire avec vous. Et donc ça va être plus rapide de trouver ce qui vous arrive sans avoir besoin de payer une facture de 10 000 bahts à un hôpital qui en aura profité justement, qui aura profité de votre incapacité à vous exprimer pour vous faire passer toute une série de tests complètement inutiles alors que vous aviez simplement un tout petit peu de travers. Alors, dans le cas présent, le mot voyage, vous voyez, c'est l'exercice que vous aviez à faire, ben ce mot, il est passionnant. Il recouvre une série d'expériences passionnantes. Et on va faire la différence entre ce qu'on appelle un terme générique et un terme spécifique. Un terme générique, c'est un terme qui englobe plein d'expériences possibles. Le terme spécifique, eh ben, c'est comme un terme un peu plus précis qui serait englobé par le précédent. C'est pour ça que j'ai fait une sorte de marguerite qui contient à elle toute seule, enfin c'est pas une marguerite d'ailleurs, c'est une fleur. Vous voyez la différence d'ailleurs entre fleur et marguerite. Fleur, c'est le terme générique, général si vous préférez, et marguerite, c'est une catégorie bien particulière de fleurs. Vous voyez? Alors, ce qu'on va regarder ensemble, c'est justement, en corrigeant l'exercice, on va regarder comment chaque mot apporte une petite nuance de sens qui est précieuse, qui est délectable, qui a du goût. Un petit peu comme un plat, qui change de goût à chaque fois parce qu'on n'y met, on n'y met pas exactement la même quantité d'ingrédients au départ. Donc c'est du plaisir dont il est question. Alors quand on parle, je vais corriger avec vous et je vais apporter à chaque fois une petite précision à l'aide du schéma que j'ai déjà préparé. Alors Napoléon, on commence par Napoléon. Napoléon va en Égypte et rapporte des objets conservés actuellement au Louvre. Alors la phrase est gentille, hein. Il les a volés ces objets. Il est allé en Égypte avec une armée. Ils ont combattu. Alors dans ces cas-là, quand il y a l'idée d'un combat, quand il y a l'idée de la force et de la violence, ça peut être un combat contre les éléments, on va parler de ce qu'on appelle une expédition. Donc Napoléon, lors d'une expédition en Égypte, là vous allez pouvoir rayer le mot expédition, a rapporté des objets conservé actuellement libre. Voilà la réponse à la question. Alors, il va de soi, mes chers potages de cinquième, que vous avez en ce moment même votre feuille sous les yeux. Vous n'êtes pas simplement en train de m'écouter comme des gros veaux, passez-moi l'expression, mais vous êtes en train d'écrire sur votre copie ou alors sur le support numérique de votre choix, mais vous êtes en train de corriger ce que vous m'avez rendu. Et j'ai pu constater qu'il y avait pas mal d'erreurs. Donc ici, on va parler d'une expédition. Je viens à ma petite marguerite. Ici, le mot expédition contient l'idée d'un combat, d'une lutte, d'un défi qu'on se lance. Et voilà donc le terme spécifique du mot voyage. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle circonstance. Qu'est-ce qui se passe dans la phrase suivante? Le commandant Cousteau, océanographe, a mené plus de quelque chose, plus d'un voyage, on pourrait dire, au fond des sous-marins. Oui, mais si c'est un voyage qui est volontaire vers quelque chose qui est complètement inconnu, alors dans ce cas-là, on va parler
une exploration. Le commandant Cousteau a mené plus d'une exploration des fonds sous-marins. Il y a un film passionnant que j'avais vu quand j'étais petit où il montrait comment ils allaient explorer justement les fosses abyssales. Je me demande même si ce n'est pas la fosse abyssale des Philippines que nous avait présenté justement Benjamin. Donc là, on va parler d'exploration. Et pourquoi on parle d'exploration ? Eh bien, parce que on ajoute dans le mot général, voyage, que l'idée d'une découverte volontaire des choses inconnues. Donc plutôt de dire un voyage où on découvre volontairement des choses inconnues, eh ben on dit exploration et ça va beaucoup plus vite. On est passé d'un terme générique à un terme spécifique. Prenons la suite. C'est toute gna que de la suivre dans un centre commercial le jour des soldes. Qu'est-ce que ça pourrait bien être, cette chose ? Eh bien, on imagine très bien que la personne qui subit cette errance infinie, qui passe d'un lieu à l'autre, de plus en plus éloigné, de plus en plus pénible, dans ce cas-là, on va parler d'une pérégrination. C'est toute une pérégrination que de la suivre dans un centre commercial. Alors, oui, ce mot pérégrination, il est intéressant. Il y a le fameux moine pérégrin, ça me fait penser à un poème de Saint John Perse, un poète célèbre, on va dire des années 60, qui dit « Ce n'est point errer, ô pérégrin, que de convoiter l'air la plus nue pour assembler aux cirtes de l'exil un grand poème né de rien, un grand poème fait de rien. » Une pérégrination, une longue errance qui passe d'un lieu à l'autre, où on ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête pas une pérégrination. Et on a envie que ça s'arrête. Vous voyez très bien de quoi je parle. Si un jour vous avez suivi quelqu'un qui voulait toujours aller voir plus loin et vous en aviez assez, vous vouliez rentrer. Donc la pérégrination, dans mon document, c'est l'idée de quelque chose de lointain avec des changements incessants de lieu et d'une répétition qui... une répétition du changement. Passons à la phrase D. La phrase D, bon, ça c'est relativement simple, je pense que vous avez assez facilement trouvé, c'est la question du pèlerinage. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pèlerinage ? Donc je dirais pèlerinage au-dessus. Un pèlerinage, ben, c'est quelque chose, ben, c'est un voyage, toujours, mais qu'on fait parce qu'on a une recherche spirituelle profonde. On voudrait obtenir quelque chose qui nous rende plus pur, qui nous rende qui nous donne davantage de valeur auprès des autres, quelque chose qui soit un apport pour les autres, qui soit altruiste. Un pèlerinage, c'est ça. Donc on va parler d'un pèlerinage quand il y a une dimension spirituelle, quand il y a une recherche de la pureté, ou on pourrait dire aussi tout simplement une dimension religieuse. On cherche à donner une valeur religieuse ou spirituelle au voyage qu'on est en train de faire. Alors, on peut le dire par exemple aussi quand on cherche à donner une valeur personnelle à quelque chose. J'ai fait un pèlerinage dans ma ville d'enfance. Ça revient à dire un petit peu, je suis allé retrouver qui j'étais vraiment en allant revoir ma petite ville d'enfance, par exemple. Alors, on va faire maintenant la différence entre deux termes qui se ressemblent. On voyage dans les Alpes. D'ailleurs, il y a une faute. Alpes, il devrait y avoir une majuscule. Et puis, ou les sites aztèques. Tout ça, c'est la montagne. Quelle différence il y a entre ces deux genres de voyage ? Ben, dans le premier cas, on va parler d'une excursion. Donc, j'aurais excursion. Pourquoi on parle d'une excursion ? Parce que, si vous regardez bien ce mot, il y a... vous allez retrouver une racine latine, ex, qui veut dire, qui suppose un voyage vers l'extérieur, une sortie. On sort de quoi ? On sort du cours, cursus en latin, on sort du cours habituel des choses, on sort des habitudes. On va voir plus loin que ce à quoi on est normalement habitué. Donc l'excursion, c'est vraiment l'idée d'aller voir dehors, d'aller voir plus loin, d'aller voir ailleurs. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose qu'un circuit. Un circuit, on sait déjà presque un petit peu ce qu'on va aller voir. Si je veux faire un circuit dans les sites aztèques, ça veut dire que je sais déjà qu'ils existent, je me suis déjà renseigné, je
je vais partir d'un point, il va y avoir des étapes et je vais revenir au point de départ. Donc dans ce cas-là, on va parler d'un circuit. Donc c'est pas la même chose que de faire un circuit et de faire une excursion. Par exemple, au Népal, on peut très bien faire un circuit. On est encadré par des guides. Ou alors on peut aller faire une excursion. Ça veut dire que là, on va un petit peu en dehors des sentiers battus. Voilà. Donc, si je reprends ma petite marguerite, ma fleur, comme vous voulez. On va faire la différence entre l'excursion avec l'idée qu'on s'éloigne de l'habituel et le circuit avec l'idée que justement on revient à l'habituel. On sort, mais provisoirement, on reste dans une forme de sécurité, de sûreté. Il n'en reste plus qu'un, évidemment, c'est le mot ici, odyssée. Une odyssée incroyable pour Mary Kingsley. Alors pourquoi c'est une odyssée? Parce que vous avez, j'espère, lu au moins des extraits de l'Odyssée. Et vous avez bien vu que Ulysse, à un moment donné, bascule dans un monde peuplé de monstres qui ne sont plus imaginaires, ça devient la réalité. On bascule du monde des humains au monde des monstres, au monde où les repères ne sont plus les mêmes, c'est plus les repères de l'humanité habituelle. Donc là, on va parler d'une odyssée, quand vraiment ça représente un voyage en dehors de notre monde rationnel. On va se confronter à des choses extraordinaires, surnaturelles, etc., etc. Voilà pour cette correction. Donc ces documents que vous avez ici sont bien sûr imprimables. Je vous invite à les imprimer ou au moins les recopier. Donc j'ai mis tout ce qu'il faut pour que vous puissiez le faire. Et voilà donc pour la première partie de cette correction sur un mot simple qui est le mot voyage. Alors maintenant, à partir de maintenant, je vous estime capable de comprendre la différence entre un terme générique, un terme spécifique, et puis avoir bien compris la notion de synonymie. Expédition, exploration, pérégrination, pèlerinage, excursion, circuit, odyssée, tous ces mots sont des synonymes, c'est-à-dire qu'ils ont tous en commun le même terme générique. Ils sont tous un voyage. Ils contiennent tous la même idée. Et vous avez bien compris, j'espère, qu'on ne peut pas les utiliser de la même manière. Je ne pourrais pas dire que Napoléon a fait une odyssée en Égypte. Ça n'aurait aucun sens. Vous voyez ? Donc il est très important de connaître la richesse des mots, leur histoire, pour les apprécier. Voilà pour la correction de l'exercice 1. J'espère que cet exercice vous a plu et que vous allez maintenant réussir à faire le petit exercice complémentaire que je vous propose en parallèle. Vous avez vu, ce sont des révisions de CM2. Alors je pense que je peux demander à mes cinquièmes de faire des révisions de CM2, n'est-ce pas? Alors allez-y, faites-les et on les corrigera ensemble cette fois-ci, non pas à distance. Enfin, on verra. On verra comment on fera. Et j'espère que, en tout cas, ça vous ouvre l'esprit à la richesse de cette belle langue que nous parlons tous les jours dans cette école. À bientôt !